accueillir, d'accueillir évidemment d'abord Nathalia Spalto, grâce à qui nous devons tout cela, qui a fondé cette fondation et qui nous en donnera un mot, cette fondation signature. Vous savez, il y a deux lauréats aujourd'hui, deux récipiendaires. D'une part, le prix des musiciens, qui réunit chaque année des artistes en résidence à l'Académie d'Opéra de Paris. Et d'autre part, un prix de l'art du jardin. Félicitations au nom de l'Institut de France. Et je remercie les jurys qui ont permis de les distinguer et de les reconnaître. Et je remercie aussi derrière les jurys les équipes qui sont toujours présentes, Palais Garnier, Opéra Bastille, La Robe, Ministère de la Culture, qui ont trouvé que tout cela réussisse. La Fondation Signature est jeune, pétulante, pleine d'ardeur, et elle honore l'art, la culture et le talent. Il y a un an, nous nous sommes réunis pour le lancement de la nouvelle fondation, ici même. Il y a seulement un an que nous avons annoncé notre ambition et nos désirs de construire un parcours singulier de la fondation en faveur des talents. Je suis très heureuse de voir ce soir parmi nous les deux premiers lauréats de la Fondation Signature, M. Thierry Juste pour le prix de l'art de jardin et Christopher Voisin pour le prix des musiciens. Je voulais quand même d'abord remercier M. le Chancelier et Mme la Présidente, Mme Smalto, pour son engagement en faveur des jardins et la collaboration de qualité qui s'est instaurée entre les services du ministère de la Culture et la Fondation Signature. Pour l'Académie de l'Opéra National de Paris, c'est un privilège qu'un de ses artistes soit distingué par la Fondation Signature sous le patronage de l'Institut de France. Le soutien de la Fondation Signature et les prix qu'elle décerne aujourd'hui sont indispensables à la réalisation de nos missions. Soyez-en chaleureusement remerciés, chère Nathalia. C'est avec plaisir que je prends la parole pour saluer, au nom de mes confrères de l'Institut, Dany Laferrière de l'Académie française, Jean-Michel Pinmotte, Charles Perrault, jury des deux prix qui sont remis ce soir pour l'ensemble des actions conduites par la Fondation sous l'impulsion de Nathalia Smalto. L'année prochaine, nous aurons deux saisons grâce à la Fondation de la Signature, d'une part au printemps autour du peintre italien et portraitiste Giovanni Boldini. Donc il y aura à nouveau des concerts, plein de choses qui seront tout à fait sémillants et qui vont permettre d'approfondir le projet de l'exposition. Et puis à l'automne, à nouveau, la Fondation Signature récidivera. Et grâce à elle, nous pourrons illustrer cette fois-ci à nouveau, comme prévu initialement cette année, l'œuvre du peintre russe Ripin, Grande Saison Russe, avec des concerts, des conférences. Monsieur le ministre, chère Nathalia Smalto, mesdames et messieurs, je suis très honoré ce soir d'accepter le prix des musiciens de la Fondation Signature. Je souhaite commencer par exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont rendu cela possible. La Fondation Signature, l'Institut de France, Nathalia Smalto, et tous les membres de jury qui ont choisi de me remettre ce prix. Je suis entré dans cette profession avec le désir prononcé de poursuivre une carrière dans la direction d'orchestre, en particulier dans la direction de l'opéra. Bien que mon travail ici à Paris soit centré sur mon activité de pianiste, je considère vraiment ces deux facettes de ma vie musicale comme inséparables. Il m'est inimaginable de continuer l'un aux dépens de l'autre. La musique conserve fondamentalement deux choses, le son et les gens. J'accepte ce prix profondément reconnaissant de l'immense fortune que j'ai portée toute ma vie et humblement conscient de la responsabilité que comporte ce privilège extraordinaire. Signature, le nom de votre fondation m'interpelle. Madame la Présidente, je tiens maintenant à vous adresser ma plus profonde gratitude pour cette mise en lumière de l'art du jardin. Car si l'intérêt des œuvres du passé est reconnu depuis plusieurs décennies, si la création du label Jardin Remarquable par le ministère de la Culture a permis de découvrir des créations plus récentes, alors ce prix, dont vous êtes l'inspiratrice, fera enfin de l'art du jardin, un art aussi vivant que la matière dont il se nourrit. Monsieur le Chancelier, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vous remercie.